Est-ce que tu sais où nous sommes, Alix ? Très exactement, non. Eh bien, nous sommes à Saint-James-la-Plaine, toujours dans le sud Vendée. Bienvenue dans c'est les C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Bienvenue dans les Bonjour virilités. À toutes et à tous. Elle a complètement perdu son sens de l'orientation. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, Eh bien, aujourd'hui, moi, je vais aller voir un petit monsieur qui a fabriqué lui-même son propre musée militaire. Pas très loin d'ici, à Saint-James-la-Plaine. D'accord. Et toi ? Tout à fait singulier. Comme tout à fait singulier. Hein ? Moi, je vais voir les Roulottes du sud Vendée, une association qui propose des balades en roulotte. Au pas, cheval de trait, tranquille. Ouais. Voilà, ça va bien m'aller. Toujours des animaux avec Alix. On essaye. Marque de fabrique. À tout à l'heure. On se retrouve après. Ça marche. Ciao. Vraiment déconnecté et passer des vacances autrement, eh bien c'est ce que vous propose les Roulottes du Sud Vendée. En effet, l'association vous emmène en roulotte, vivre au rythme des pas des chevaux de trait pendant 1, 2, 3, jusqu'à 7 jours. Pour en savoir un petit peu plus sur l'organisation, je vais tout de suite retrouver Claude, il est là-bas près des roulottes. Oh, ils sont trop beaux! Salut Pépère! Bonjour Claude! Bonjour Alix! Vous allez bien? Ouais, ça va bien, ouais. Que c'est joli par ici! Ah, ici, c'est vraiment l'endroit idéal pour nos petites roulottes, Pont-Sigou. C'est exactement. Là où nous avons nos chevaux, nos roulottes, et c'est là où tous les gens viennent prendre possession de leur petite roulotte pour là, leur petit séjour. Bien. Alors expliquez-moi ce concept que je trouve génial de pouvoir partir en roulotte comme ça en famille. Alors le concept de la roulotte, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Vous avez le cheval, vous avez la roulotte, et vous avez les petites familles qui viennent, qui prennent possession de leur petite roulotte, qui font connaissance avec le cheval. On leur donne toutes les consignes, comment harnacher le cheval, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Le premier jour, le matin, nous mettons un cocher avec eux, qui est un bénévole, qui part avec eux toute la matinée, qui leur apprend les premiers rudiments, les premières consignes pour bien guider le cheval, et après ça roule. Et ils s'arrêtent dans des points relais. Alors ils s'arrêtent pour la nuit. Le midi, ce sont des points d'accueil, principalement des aires de pique-nique dans les villages, dans les communes alentours. Et le soir, ce sont dans des relais qui sont les gens les accueillent chez eux. Vous avez douche, toilette, et puis un endroit pour le cheval, un endroit pour poser la roulotte. Et on est chez des gens, c'est super convivial en plus. Un petit côté convivial avec des échanges entre les personnes et c'est du bonheur pour tout le monde, quoi. On est complètement dans le concept d'écotourisme, de tourisme vert. Alors vraiment dans le tourisme vert, effectivement, parce que donc il y a juste du gaz dans nos roulottes, mais autrement rien, pas d'électricité, rien du tout, pas de bruit de voiture, ne serait-ce que les voitures qui doublent ou qui les croisent, nos petites roulottes, mais autrement c'est vraiment une communion avec la campagne. Est-ce que c'est confortable une roulotte ou est-ce qu'on peut y aller avec des tout petits par exemple ? Non, mieux, est-ce qu'on peut aller voir l'intérieur d'une roulotte ? On va aller voir une roulotte parce qu'effectivement on peut aller vraiment des tout petits jusqu'aux vraiment plus âgés, on va dire de 2 à 88 ans sans aucun problème, même de 6 mois, même de 3 mois sans aucun problème. Génial, on va voir une roulotte. Alors j'ai 88 ans, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin encore. Laquelle on va voir ? Bon, on va prendre la première, par exemple. Eh bien, allons voir la première. En plus, elles sont jolies, colorées, j'adore ça. Allez-y. Oh, c'est mignon ! Voilà, nos petites roulottes. Et puis, il y a du gaz. Il y a le petit gaz. Il y a des couvertures. Des couvertures, de la vaisselle. Assiette couvert. Voilà. Et puis donc on passe. Et après on passe. On passe son temps à jouer aux cartes ici. On peut s'asseoir, jouer aux cartes ou. Avec le bruit des sabots, touc 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 touc. Et après souvent vous avez le papa, la maman qui sont devant et les enfants qui sont en train de jouer à l'intérieur de la roulotte. Vraiment quelque chose de sympa et vous verriez les gens repartent d'ici à chaque fois enchantés. Et là vous avez des roulottes qui sont sur la route. Alors nous avons des roulottes sur la route. Moi ce que je vous proposerais, venez avec moi, je vais vous emmener voir une petite famille. Ces gens-là sont dans un relais, ils ont passé la nuit dans le relais. Ils sont sur le point de repartir ce matin. Vous allez pouvoir les rencontrer, les voir se préparer, préparer le cheval et ranger tout leur petit matériel pour aller vers une nouvelle journée de découverte. Génial, on va voir vraiment l'exemple concret. Voilà, on y va ? C'est parti !
Ici à Saint-James-la-Plaine, nous sommes devant la maison de Christian Bernard. Alors une maison en apparence tout à fait ordinaire. Cependant, vous allez remarquer, Christian Bernard est un passionné. Il a monté son propre musée militaire, un musée privé et qu'il fait visiter sur demande. Eh bien cette demande, on va la lui faire. Christian Bernard, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut visiter votre musée ? Pas de problème, on peut y aller. On y va alors, ça nous fait plaisir. Venez, venez, venez. Oui, alors ça va me permettre de se mettre dehors, c'est-à-dire que quand on va rentrer là-bas... Voilà. Alors Christian Bernard, c'est fascinant ce musée, c'est une passion que vous avez depuis quand ? Expliquez-nous. Ah, c'est une passion, là, bon, disons, qui perdure depuis l'armée, on va dire. D'accord. Voilà. Mais on va dire que la collection, j'ai commencé vraiment il y a 18 ans à peu près. Oui. Hein. Je collectionnais un tout petit peu avant, mais j'avais arrêté avec une famille nombreuse, donc c'est fait que ça m'a permis après de pouvoir me consacrer vraiment à ma collection militaire. Mais voilà. Alors du coup, vous avez rénové cette vieille grange uniquement pour recevoir ce musée privatif, quoi. Tout à fait, pour pouvoir mettre les objets en valeur, aussi pour faire accueillir des personnes, pour pouvoir leur faire visiter quand même. Oui. Pour savoir une collection, le but de la collection, c'est quand même de présenter ça aux gens aussi, quoi. D'accord. Voilà, et donc c'est quand même des objets de mémoire, faut pas oublier. Oui. Hein. Pardon. Ah, dites donc, c'est quand même absolument époustouflant. Tiens, regardez par exemple ça. Regardez ça. Ici, par exemple, on a une traction. Tout à fait, oui. Expliquez-nous ça, mais alors, qu'est-ce qu'elle fait là ? Alors, ben, l'attraction, donc, vous savez que l'attraction a très bien servi aussi pour la résistance, oui. Mais aussi pour les Allemands, parce que c'était quand même la voiture la plus rapide à l'époque. Et donc, celle-ci, c'est une version Wehrmacht, avec la plaque d'immatriculation que vous voyez ici, et les blackouts. D'accord. Hein, voilà. Et alors, pourquoi vous avez fait ce choix-là ? Alors, uniquement du XXe siècle, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, et puis ça se termine avec la guerre du Golfe. Pourquoi vous avez fait ce choix-là ? Tout simplement parce que bon, il faut se limiter, de toute façon, on ne va pas tout collectionner. Et donc, c'est cette période-là, le XXe siècle, vraiment, qui m'intéresse au niveau de l'histoire proprement dite. D'accord. Mais ce musée, il est à destination de qui ? Vous le faites visiter ? Quand tout on vous le demande. Alors donc, pour l'instant, c'est ce rendez-vous, parce que je travaille encore. Hein. Mais bon, je suis libre à partir du 1er décembre, enfin à la retraite, et je vais pouvoir faire visiter plus amplement aux gens. Mm-hmm. Alors donc, ceux qui visitent, tout simplement sur rendez-vous pour l'instant, et donc, les associations, notamment l'UNC, les médailles militaires, etc., toutes les associations patriotiques, on va dire. Mm-hmm. Les écoles peuvent venir aussi, il y a des écoles qui sont venues, comme Venanceau. Mais aussi les particuliers qui veulent venir visiter, ils me téléphonent et je leur fais visiter. Bien entendu, visite gratuite, hein, tout à fait. Ah, hein. Oh, dites donc. Voilà. Donc, cette pièce-là est consacrée aux prisonniers de guerre dans un premier temps, les STO, les prisonniers de guerre et aussi la résistance. Mais c'est infini, parce que là, vous avez décidé de reconstituer une scène de la résistance. Oui. Mais ils n'étaient pas tous habillés comme ça. Enfin, il y avait d'autres manières de s'habiller. Tout à fait. Au fur et à mesure que vous chinez dans les brocantes, vous en trouvez d'autres. Mais ce qu'il faut savoir, surtout, que le résistant, lui, est habillé un petit peu moitié civil, moitié militaire. Hein. Bah, oui. Il s'habillait avec ce qu'ils avaient, surtout. Bah, oui, hein. On retrouve ceux de Saint-James, d'ailleurs, on retrouve une photo où une des personnes est en sabot de bois. Il y a plein de photos derrière aussi. On n'aura pas le temps de tout voir, malheureusement, mais il y a aussi énormément de photos, parce qu'il faut dire que c'est un musée militaire, mais quand même centré sur la Vendée. Ah ben beaucoup, tout à fait. Surtout sur les régiments vendéens, 14-18 par exemple, c'est le 93e, le 137e. Mm-hmm. Voilà, plus les régiments de réserve. Mais c'est surtout ce qui est sur la Vendée qui m'intéresse le plus, mais tout n'est pas la Vendée, bien entendu. Ouais. Voilà. Quand on dit vous avez un musée militaire, vous occupez surtout de la période. Alors vous avez des tenues, des uniformes, puis alors le moindre objet de la période aussi vous intéresse finalement. Tout à fait. Les petits objets viennent se greffer autour de toute cette période, on va dire. Voilà. Alors un exemple, qu'est-ce que c'est derrière là ? On a un uniforme qui est quand même très singulier. Alors lui qui n'a rien à voir du tout avec la résistance, bien entendu. Ouais, mais tout simplement, c'est un mannequin que je suis en train de monter qui n'est pas encore fini, mais c'est un spahi, tout simplement. D'accord. Voilà, spahi. Donc dans la tenue est de 1939, à Épaté. Mm-hmm. Voilà. Et pourquoi un spahi ? Un spahi parce que j'aime bien ces tenues. Et mais par exemple, j'ai difficulté à trouver les cartouchiers rouges, notamment. Mais ce qui fait, j'arrivais à l'équiper quand même un jour ou l'autre, ça viendra. Mmh. Voilà. Alors, on a vu la Seconde Guerre mondiale et la résistance. Ce que je vous propose, c'est on continue. Et puis, une toute dernière partie, on va aller visiter là-haut. On va parler de la Première Guerre mondiale. Et puis, on va s'arrêter finalement en 1991 à la guerre du Golfe. Voilà, tout à fait. Donc là, il y a un sous-marinier vendéen. Oui, il y a une histoire ici, là. Oui, Roger Poulard. Oui, tout à fait, de tirer. Hein. Mm-hmm. Donc, il était à l'école navale, ingénieur de l'école navale, donc en 1935.
et qui est parti dans le sous-marin de Sfax. Voilà, ici, son sous-marin ici, oui. Son journal de campagne qui est très très bien écrit, très très beau. C'est sa famille qui vous a donné tout ça Oui, sa sœur, tout simplement, d'accord. Qui est partie en maison de retraite, qui est décédée depuis. Et donc, Roger Poulard est parti dans le sous-marin le Sfax, ils escortaient le pétrolier le Rhône en 1941, le 19 décembre 1940 plutôt. D'accord. Et donc, ils ont été coulés en surface par un autre sous-marin, le U-37, commandé par Nicolas Clausen, et donc il y a eu 4 survivants. Mais Roger Poulard est décédé dans le sous-marin, voilà. Oui. Voilà, on est ici devant des casques, et on va passer à la Première Guerre mondiale, mais ce que je vous propose juste avant, c'est d'aller pas très loin d'ici, on va aller à Fontaine voir Erika, son métier c'est vitrailliste. Vous allez voir que les vitraux ne se cantonnent pas aux églises, loin de là, on en trouve aussi dans les châteaux, mais le particulier aussi peut être fasciné par ces œuvres très atypiques. C'est une matière très brillante, très colorée et qui en lumière vraiment révèle toute sa splendeur avec ses bulles, son relief, ses aspérités. Erika Lemasson joue avec les transparences et les reflets, fait vibrer les couleurs à travers le verre, un univers féerique bercé de lumière. Le métier m'a tout de suite attirée du fait que ce soit un métier manuel. J'aime beaucoup fabriquer de mes mains. Et puis la matière que je ne connaissais pas du tout, donc que j'ai découvert et que j'ai trouvé très jolie, sublime en lumière, avec ces couleurs magnifiques et ces textures étonnantes. L'art du vitrail a traversé les siècles, moderne ou classique. Erika Lemasson intervient auprès des particuliers pour des rénovations, comme sur cette pièce. Donc le verre est vraiment encastré dans le réseau de plomb. Donc ça va faire une structure assez souple qui va permettre au verre d'évoluer dans le temps. Alors, vous voyez, c'est quand même assez souple. C'est pas rigide, donc ça ne peut pas casser. Elle maîtrise aussi la technique de la grisaille ainsi que celle des émaux, qui consiste à peindre directement sur le verre avant de passer la pièce en cuisson. Le résultat est spectaculaire et vient compléter son savoir-faire de vitrailliste. On a aussi des verres qu'on peut peindre. Donc là, on a utilisé de la grisaille et des émaux. Donc de la grisaille pour tout ce qui va être contour et ombre et lumière. Et puis les émaux donc pour tout ce qui est couleur. Au-delà des chantiers, je crée aussi des objets décoratifs pour les intérieurs, ce qui permet de m'évader, de développer ma sensibilité aux couleurs, aux textures, aux formes. Donc c'est beaucoup plus libre et créatif. C'est aussi un côté que j'aime beaucoup dans le travail du verre. Un soldat typique de l'armée française. On remarque qu'ils sont plus petits. Hein, très petits comme taille, tout à fait, oui. J'ai appris ça en regardant le défilé du 14 juillet à la télévision, qu'on a gagné 7 cm depuis la Première Guerre mondiale. Oui, c'est vrai. Les uniformes sont tout petits. Oui. Qu'est-ce qui vous passionne le plus, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, dans les collections, dans les recherches? La Première Guerre mondiale, tout c'est à fait. Vrai oui, tout donc à fait. L'endroit où on est est plus cher à votre cœur. Voilà. Et donc, on retrouve des pièces, notamment comme les mouchoirs d'instruction militaire, qui sont tamponnés, celui-ci, au 93e mairie de la Roche-sur-Yon. Voilà, 93e, mais j'en ai un autre en vitrine du 137e. D'accord. Et derrière, d'ailleurs, vous avez aussi un fanion de commandement du 93e mairie de la Roche-sur-Yon. D'accord. Donc il y en a un par commandement, ici, donc très peu. D'accord, très bien. Voilà. On retrouve le crapouliot ici, et ici, à la vitrine avec... Vous avez dit le ? Le crapouliot. Qu'est-ce que c'était c'est donc un genre de mortier qui était tiré dans les tranchées vers l'ennemi, quoi. D'accord. Voilà. Et donc, on retrouve après les petites scènes de guerre, ce que je vous disais, les petites pièces principales, comme la trousse de couture, notamment. Ici, une boîte de chocolat, vivre de réserve, les boîtes d'allumettes, etc. Ah, dis donc, vivre de réserve du chocolat, à n'ouvrir que sur ordre. Tout à fait. Attention. Oui, voilà. C'était dernier moment, quand ils n'avaient plus rien à manger, on va dire. Alors, Christian, comment on fait si on a envie, parce qu'il y a encore beaucoup de choses, on n'a pas le temps de parler de tout, comment on fait si on a envie de venir vous voir? Tout simplement, vous me téléphonez, et puis on se met à rendez-vous, et là, à ce moment-là, on va consacrer le temps qu'on veut. D'accord. Voilà. Bon ben on vous recommande du coup de venir ici, hein. Et puis nous, on va s'en aller, on va aller retrouver Alix. De nombreux points d'accueil jalonnent les parcours des roulottes. Alors je vais retrouver ici Marthe, Ninon et leurs parents. La petite famille est sur les routes depuis déjà 2 jours.
Bonjour. Bonjour. C'est bien, c'est des vraies vacances pour vous. Vous mettez les enfants au boulot? Ouais, voilà. Très et pratique. À la popote, le midi. Bien dormi? Très bien. Ouais. On dort bien dans la roulotte? C'est assez confortable. Ça va, Alan? Mon Nino raconte, c'est bien les vacances? Ouais. Ouais? Trop. Vous faites quoi de vos journées? On guide le cheval. Et on marche à côté. Allez, petite démonstration d'attelage par Ninon et Marthe. 6 et 12 ans, je pense qu'on va prendre une petite leçon là. Et vous marchez combien de temps par jour à peu près? La jument, surtout. Ça dépend d'elle. Ouais, 4-5 heures quand même. D'accord. Ouais, 2h30 matin ou 2h30 l'après-midi. C'est un sacré bazar quand même, faut s'y retrouver. Hein. Ouais, ça va. Du coup, est-ce que le paysage est joli? Vous voyez quoi sur la route? Des champs. Des champs. Des champs. Et des champs. Vous allez et passer. Donc, aujourd'hui, on n'a qu'une seule étape. On va ici. On y passe l'après-midi, on y dort. Ouais. Ok. Et donc, il y a un petit patelin dans le coin. Donc, le trajet de demain matin et demain soir. Et ensuite, vous revenez au point de départ. La boucle est bouclée. Le tout en 4 jours. 4 jours. Ouais. 4 jours. Super. Hop. Allez, vas-y, bois bien parce qu'il fait une chaleur aujourd'hui. Fais attention, Marthe. Ouais, la première fois qu'on le fait, on doit pas faire trop les malins quand même. Hein. Pas trop, non. Ouais. C'est bon. On dit qu'il y a 850 km. Côté, ouais, c'est ça. Si elle décide de pas être si elle décide de pas reculer. Et... voilà. Ça y est, tout est à sa place. C'est bon. Je peux monter, les filles? Alors, vas-y, observe la carte. On prend celle-ci. D'accord. On va jusqu'à la nationale. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Profitez bien des vacances! Et voilà un bon moyen de se mettre au vert et de profiter autrement des paysages vendéens. Pensez à passer un petit coup de fil pour savoir s'il reste des places, parce que je crois qu'il y a encore quelques disponibilités au mois d'août. Allez, moi je vais tout de suite retrouver Hervé pour terminer cette émission. Comme il est beau, ce figuier. Tiens ma goutte. Splendide. Non. Je crois que c'est pas mûr. Non. C'est pas bon. T'es pas encore mûr. Comment ça s'est passé? Très bien. Raconte-moi ta c'était journée. C'était super bien. C'est vrai? C'était tranquille, pépère, avec des gens sympas, des chevaux magnifiques. C'était génial. C'est tout ce que t'avais envie de faire. Voilà. Et toi? Bah, une belle rencontre avec un homme passionné, c'est forcément très sympathique. Bon. On passe à l'agenda. On y passe. Allez, on va commencer avec Taberna. C'est un spectacle d'escrime et de musique ancienne de Laurent Texier au Château d'Apremont. Tous les ans, Laurent Texier vous propose un spectacle nouveau au Château d'Apremont. Du 14 juillet au 29 août. Voilà. Il y a plein d'horaires. Ah oui, il y a plein d'horaires, il y a plein de tarifs. Regardez vous là, la numéro de téléphone. Voilà. Guinguette. Guinguette de la Soulaire, le mercredi 23 juillet, des musiques et danses traditionnelles de Vendée. Et bien sûr, c'est un moulin sec à La Roche-sur-Yon. À partir de 19h, tu danses toujours pareil, quelle que soit la danse. Tu danses toujours pareil depuis le début des virées de l'été. C'est le même. T'es gonflé. 10€, 19h30, le numéro de téléphone s'est affiché. Le folklore ukrainien continue à danser avec Daka Braka.
C'est la compagnie Grain de Sable qui vous propose ce concert à 20h30 au Perrier. C'est gratuit, c'est mercredi prochain. Continue, moi je danse. Allez, la tournée des plages. À la tournée des plages de 11h à 18h ce jeudi, plage du Rocher. Oui. Ce sont des animations, des jeux sur la plage. C'est vraiment pas bon. C'est à peu près ça. Mm-hmm. Voilà, l'objectif c'est de profiter des touristes pour sensibiliser les vacanciers et les Vendéens. Il y a une cuisine mobile, il y a un concert, il va se passer plein de choses, vous avez plein de cadeaux à gagner et vous parlerez des produits de Vendée. Allez, on y va. À demain. Oh, c'est bon. Walking in the midnight sun.